Ne baisse pas les bras. Sois capable et fais des efforts. Toujours remonte, retrousse tes manches, avance. Allez, reste positif. C'est les conseils du prophète alayhi salatu wassalam. Certaines personnes cherchent du coaching, cherchent du... Vous avez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ces conseils? Ihris ala ma yanfa'uk wa sta'in billah wa la ta'jaz. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, regardez ce qu'il nous dit. Et pour balayer ce défaitisme, le pessimisme, le fait de baisser les bras, le fait d'abandonner. Regardez ce qu'il nous dit. Et ne dis jamais, lorsqu'il t'arrive un mal, un malheur, ne dis jamais, si seulement j'avais fait ceci et cela. Ne dis jamais ça. C'est en trébuchant, c'est en commettant des erreurs, eh bien, qu'on se relève et qu'on devient plus fort. Tout simplement parce que la personne qui est forte, eh bien, ce n'est pas celle qui ne glisse pas, qui ne se trompe pas, qui ne commet pas d'erreurs, qui ne trébuche pas, c'est plutôt celle qui, quand elle tombe, elle se relève et elle se corrige. Et elle essaye de s'améliorer. Fais de tes erreurs du passé une leçon de vie pour ton présent et ton futur. Restez toujours positif. Et se dire que si hier j'ai mal fait, demain je ferai mieux, Inch'Allah. Et si demain je me trompe encore, eh bien je continuerai à fournir des efforts. En bref, ne jamais baisser les bras.